Dieu à notre Seigneur Jésus. Le thème de notre grand séminaire est intitulé comme suit. Triompher du monde par les standards de la sainte doctrine. Triompher du monde par les standards de la sainte doctrine. Le sous-thème du lundi, c'était la victoire sur le diable. Son armée invisible et visible. Christ dans la sainte doctrine. Nous avons dit que nous ne pouvons pas triompher du monde sans avoir la victoire sur le prince du monde. Et depuis que nous sommes victorieux sur le prince du monde, pour nous, il n'est plus le prince. Il est réduit à néant. Nous, on est devenus les princes de Jésus. Les princes du roi de Dieu. Qui prennent le fond du monde. Nous avons vu comment le séjour des morts a vomi les âmes qui étaient traduites par elle. Nous avons aussi vu comment Jésus-Christ est allé combattre Satan et ses anges. Il a commandé à Michael de combattre. Il y a une guerre au ciel. Et à nous avons aussi vu comment la clé la clé qui que l'ennemi détenait les âmes dans le sud de moi qui a arraché. Les portes du séjour de mort, les portes de l'enfer ne peuvent pas renverser l'église. Nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Maintenant nous avons la foi, l'amour de Dieu, le crime de Dieu, l'espérance et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous avons compris que pour triompher du monde, il faut naître de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu avant de perdre cette nature par l'iniquité. Et de même que l'iniquité est ouverte à Satan, Satan corrompu les gens. Pour que l'iniquité aussi fût ouverte. Nous avons compris que la repentance, la prise de conscience est le chemin qui mène vers la récréation, le renouvellement, vers la régénération. Jésus, par sa parole, nous vont être engendrés de nouveau. De nouvelles créatures. Maintenant, triompher du monde par la parole qui existe. Par la parole vivante. Aujourd'hui, le sous-thème du jour est intitulé triompher du monde par le pouvoir de par la foi surnaturelle divine. Triompher du monde par la foi surnaturelle divine. Je reprends. Triompher du monde par la foi surnaturelle. Surnaturel qui est au-dessus du naturel. Divine, la force naturelle. Divine.
triompher du monde par la foi sur le monde. Gloire à Jésus. Si tu connais Jésus. Le premier jour, nous avions dit que le monde donne par le thème de type de monde. Et le monde gouverné par Satan. Qui est Satan allait vous faire l'uni fait créer par Dieu. Et il est créé en dessous du surnaturel du ciel. Il est le nous avons dit que le monde a été créé par Dieu. C'est le monde est une création de Dieu. Donc le monde, il y a, comme nous l'avons dit le lundi, il y a deux types de monde. Le monde est créé par Dieu qui est l'univers. Et aussi le monde en dessous du troisième ciel. Qui est dans le monde naturel. Le monde matériel. L'univers. Et il y a aussi le monde gouverné par Satan. Jésus dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde gouverné par Satan. Il a jugé le prix de ce monde. Maintenant, il y a un autre monde. L'univers. Il y a un autre monde. Sur lequel nous devons assujettir. Nous devons dominer, vaincre, triompher. Il y a aussi des lois naturelles qui régissent l'univers qui doivent être vaincues par la parole de foi. Gloire à Jésus. Triompher du monde par la foi surnaturelle divine. Gloire à Jésus. Lorsque l'homme naît de Dieu, vous pouvez noter au fur et à mesure. Si vous notez, vous n'avez pas suivi. Ça dépend de vous. Vous voyez des paroles fortes, des inspirations fortes qui vous touchent, vous notez au fur et à mesure. Suivez-moi et soyez en esprit avec moi. Lorsque l'homme naît de Dieu, il y a une envie que l'homme est né de Dieu et peut triompher. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Ce n'est pas la parole. Le pouvoir de la parole. Ce n'est pas l'autorité de la parole. Que nous pouvons triompher. Lorsque l'homme naît de Dieu, la parole de Dieu s'intègre en lui comme un moteur déclencheur la manifestation de la pensée de Dieu. Dieu est esprit. Et dans l'esprit est la pensée. La pensée est dans l'esprit. Alors, Vivian. La parole s'intègre dans l'homme né de Dieu, qui est né de Dieu. La semence qui opère dans la vie du né de Dieu, de l'enfant de Dieu. Et cette parole de Dieu s'intègre en lui comme un moteur déclencheur. La manifestation de la pensée de Dieu. Manifestation de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole de Dieu est un pouvoir divin. C'est la parole créatrice qui agit depuis la fondation du monde. Je vous ai dit que dans l'éternité, c'est la pensée que Dieu utilise. Dans le temps, c'est la parole qui sort de l'éternité et manifeste l'œuvre de la pensée de Dieu dans le temps. La pensée, c'est Dieu dans son domaine éternel en esprit. La parole sort de la pensée. La parole, c'est le reflet de la pensée. La parole, c'est la sous la pensée. Est-ce que vous comprenez? Mais et c'est pas cette parole que tu as fondé le monde. Et ce monde n'a pas été formé
sans la foi. C'est pas la foi que nous comprenons que de l'invisible est sorti le visible. Nous comprenons que Dieu t'a formé. Les choses qu'il a dessinées dans sa pensée pour que ces choses deviennent visibles. Qui voit le spirituel? La chair ne peut pas voir le physique ne peut pas voir le spirituel. Normalement. Mais le spirituel. Le spirituel est venu le physique. Et c'est ça qui nous donne la foi. C'est ça la parole de Dieu. Qui vient accomplir le dessein éternel de Dieu. Si nous croyons à la parole de Dieu, nous sommes en train de manifester notre foi. Le monde visible provient du monde invisible. Et que la parole de Dieu est l'élément déclencheur. Toute la création. Gloire à Jésus. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3, je vous remercie Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que le monde, que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est spirituelle. Mais ce n'est pas la foi que nous croyons que de la pensée de Dieu est venue la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est spirituelle a été capable de manifester les choses visibles. Qui comprend? La parole de Dieu est spirituelle. La pensée de Dieu est spirituelle. Ce n'est pas la foi que nous croyons. Quand de la pensée de Dieu est sortie de sa parole. Mais ce n'est pas la foi et que nous croyons. Et que la parole de Dieu qui est spirituelle puisse accomplir des choses visibles. C'est bon? Ok, gloire à Jésus. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait. Il y a de choses visibles. Il y a des choses visibles. Ou bien, je vous ai dit que la parole est esprit. La parole qui avait tout créé au commencement n'avait pas porté un corps physique qu'on peut toucher. Quoique la parole soit le premier né de toute la création. Quoique la parole soit le premier né de toute la création. Qui existait avant les choses qui ont été créées. Quand les choses ont été créées, nous disons que la parole n'avait pas revêtu d'un corps matériel. La parole avait une image invisible. Quoiqu'elle a été dessinée pour être l'image du Dieu visible. En ce temps, la parole n'avait pas encore pris de corps. Donc, c'est pas la foi que nous on reconnaît que quelque chose d'invisible, très spirituel, peut former des choses invisibles. Et que les choses visibles n'ont pas existé sans la parole. Si on construit quelque chose ici, vous voyez les maçons, comment ils construisent. Les maçons sont des hommes physiques, non? Physiques. Eux le font
ils construisent des choses physiques. Où tu n'as pas on peut toucher, on peut les toucher. Et ils peuvent aussi toucher. Et physiquement. Ou bien. Mais pour la parole de Dieu, on dit que la parole de Dieu est physique spirituelle. Mais c'est pas la foi que nous on croit que ce qui est spirituel a été capable de rendre les choses invisibles. C'est ça la potence de Dieu. Relisez. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et nous, il y a quand même le ce qu'on voit a été fait de quoi? La parole de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. La parole de Dieu n'est pas vraiment visible. La parole est invisible, est spirituelle. C'est lorsque Christ est manifesté en chair, c'est devenu l'image du Dieu invisible. Visible du Dieu invisible. Si dans la création, elle était invisible. Gloire à Jésus. Alors nous disons que cette foi qui est l'origine même de la création, cette foi qui était appuyée à la parole pour naître des choses invisibles afin de les ramener d'une manière visible, de manifester des choses visibles qui proviennent de l'invisible, c'est pas la foi que nous croyons de l'existence. C'est pas la foi que nous croyons que Dieu peut sortir des choses visibles. Quoi que ce Dieu soit invisible par nature, nous voyons que de ce Dieu invisible manifester des choses visibles. Alors, cette foi qui est l'origine de la fondation du monde, cette foi par laquelle le monde entier a été formé par la parole de Dieu, est donc une ferme assurance. Cette foi est donc une ferme assurance. Une garantie par laquelle nous espérons, ou bien l'on espère, la manifestation visible des choses qu'on ne voit pas. Je réponds. Cette foi qui est la source de la création, cette foi qui est la manifestation de la grandeur, de l'omnipotence de Dieu, de sortir l'invisible dans le visible, cette foi qui a permis à la parole créatrice d'opérer à la création, donc une ferme assurance, une garantie par laquelle, une garantie par laquelle l'on espère la manifestation des choses qu'on ne voit pas. La manifestation visible des choses qu'on ne voit pas. Gloire à Jésus. Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que la foi est. Est-ce que vous comprenez? On continue. Ainsi, nous définissons maintenant la foi surnaturelle. La foi surnaturelle. Notez la foi surnaturelle. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus. La foi surnaturelle est une dimension par laquelle quiconque détient le pouvoir de la parole soit capable d'opérer comme Dieu. Je reprends. La foi surnaturelle. Seigneur, pourquoi ça? Comment Dieu a créé les choses, non? Comment Dieu a ramené les visibles au visible par la parole? Et on dit que cette foi que Dieu a manifestée, c'est une démonstration. Il a juste parlé, la chose est arrivée. Il a parlé, les choses sont arrivées. Il a vu comment il a manifesté cette foi par la parole de Dieu pour que les choses invisibles soient visibles. Et cette foi sans laquelle rien ne peut être visible.
Alors, la foi surnaturelle est une dimension par laquelle ou bien une dimension par laquelle par ou dans ces mêmes ici dans ce contexte. La foi surnaturelle est une dimension par laquelle quiconque détient le pouvoir de la parole de Dieu, quiconque détient le pouvoir de la parole de Dieu, soit capable d'opérer comme Dieu. Soit capable d'opérer comme Dieu. D'opérer par la toute puissance de Dieu. Soit capable d'opérer à la dimension du Christ. On dit que ce que Dieu a fait là, nous aussi nous allons faire ça. Ce que Dieu a fait là, nous aussi nous sommes capables de le faire. Crois-tu à cela? Crois-tu cela? Je ne veux pas la définition. La foi surnaturelle est une dimension d'assurance ou bien dimension d'assurance en haut. Voilà. La foi surnaturelle est une dimension par laquelle quiconque détient le pouvoir de la parole de Dieu soit capable d'opérer comme Dieu. Figure, opérer par la toute puissance de Dieu. Opérer à la dimension du Christ. Le Christ. Il y a Christ au bord du peuple. Gloire à Jésus. Si on connaît Jésus. C'est bon? Oui, c'est bon. La foi surnaturelle. Et il y a quoi? C'est pour quoi c'est? Tu dois être capable d'opérer comme Dieu opère. En toi, il a mis le pouvoir d'opérer comme lui-même opère. Nous, quand même, comme ça, nous avons un auto avec toi. C'est la parole de Dieu. Et nous, c'est la parole de Dieu. Maman a agi. Et des sons. Pour que. Allez, Dieu opère sa volonté suprême pour l'existence de l'humanité, pour l'existence de l'univers. Alors, nous aussi, nous sommes appelés à la manifestation de cette foi surnaturelle. Par laquelle il a détenu le pouvoir de la parole, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la parole puissante de Dieu, sommes capables d'opérer comme Dieu, d'opérer dans toute puissance de Dieu, d'opérer à la dimension du Christ. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu peux opérer la dimension de Christ? Jésus, le Christ dans le corps nous dit, Jésus dit, Christ, si vous croyez à mes œuvres, vous ferez des œuvres plus grandes que les miens. Qui croit qu'il peut faire des œuvres plus grandes que Jésus n'a pas fait? Il a fait ça. Eh ouais. Il dit que nous ferons encore plus. Pourquoi il dit cela? Lui, il était prêt de quitter la terre. Elle a pas les sur la toupe. Il est parti. Elle est à toupe. Nous, on va être sur terre pendant des années. Elle a pas dit, mais il y a un ami. Des années plus que Jésus. Donc, il te donne la capacité d'opérer à la même dimension que lui. Plus que lui. C'est ça la foi surnaturelle. Et il y a un conseiller pour quoi sauter. Dis à ton frère, la foi surnaturelle. La foi surnaturelle, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Deuxième définition. La foi surnaturelle est une capacité divine. Avant, nous avons dit dimension. Dimension, on parle de niveau. Nous le prenons pour d'autorité. Maintenant, on parle de capacité. Nous le prenons tête. La foi surnaturelle est une capacité divine. Par laquelle tout homme détenant le pouvoir de la parole influence son univers. Ah, oh, nous sommes à
en le soumettant à la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez le comprendre? On dit que d'abord, on va opérer à la dimension de Christ. On va opérer comme Dieu opère. On agit comme Dieu agit. Ce n'est pas la foi. Maintenant, on dit en plus de ça. Vous avez reçu le pouvoir de la parole par cette foi. Contrôler quoi? L'univers. De contrôler l'univers. De contrôler l'univers. De quitter l'univers. D'influencer l'univers. Qui croit à cela? Je n'entends pas oui. Il y a le pain. Il n'y a plus encore là. Qui croit cela? Qui croit qu'il peut contrôler l'univers? Agir sur l'univers, sur le monde. Pas la foi. Tout pense Dieu. La foi surnaturelle est une capacité divine. Une capacité divine par laquelle nous détenons le pouvoir de la parole influence son univers en le soumettant à la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. La foi surnaturelle, vous me suivez? La foi surnaturelle n'est pas seulement spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Qui me comprend? La foi surnaturelle n'est pas seulement spirituelle. Mais elle est spirituelle. La foi surnaturelle est spirituelle. Mais n'est pas seulement spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? La foi surnaturelle n'est pas seulement spirituel. Elle est une foi spirituelle. Elle n'est pas seulement spirituelle. Mais c'est une foi extra-naturelle. Surnaturelle, c'est-à-dire le spirituel, là, c'est une dimension. Mais le surnaturel est encore plus élevé que le spirituel. Vous comprenez? Cette foi est à la foi surnaturelle et spirituelle. Elle est spirituelle, mais elle n'est pas seulement spirituelle. Elle est surnaturelle. Elle est extraordinaire. Elle est extra-naturelle. Alléluia. Elle est générée par le pouvoir spirituel de la parole de Dieu. Elle est générée par le pouvoir spirituel de la parole de Dieu. Mais provoque le divin à agir. Cette foi provoque le divin à agir. Cette foi provoque le divin à agir dans des moments au cours duquel l'humain qui vit dans le naturel se trouve incapable de relever certains défis. Elle est générée par le pouvoir spirituel de la parole. Même provoque le divin à agir dans des moments au cours desquels l'homme qui vit dans le naturel se retrouve incapable de relever certains défis difficiles. C'est bon? Qui a compris? Qui a compris? Je reprends la définition. La force surnaturelle n'est pas seulement spirituelle. C'est une force spirituelle. Mais elle n'est pas seulement spirituelle. Elle est au-delà du spirituel. Elle est au-dessus du spirituel.
nous une foi extraordinaire. Une foi extra-naturelle. Cette foi surnaturelle est générée par le pouvoir spirituel de la parole. Mais provoque le divin à agir dans le moment au cours duquel l'humain naturel se trouve incapable de relever certains des défis difficiles. Acclame Jésus, Vous vivez la foi surnaturelle. Le Seigneur vous appelle dans l'univers pour vivre la foi surnaturelle. Pour vivre la foi suprême. Le Seigneur vous appelle à agir par la foi surnaturelle. Dans l'univers. À diriger l'assaut du monde. Par la parole de Dieu. De la même manière. Par la parole de Dieu. Le monde a été créé. Quand tu as ça là, alléluia, tu as le monde, c'est, je vous ai dit hier que le monde c'est comme du papier. Eh, qui est là, bon, quand tu as cette foi là, tu vois le monde comme un livre. Tu vois le monde comme la une vanité des vanités. Et ton flot comme ton flot. Ton flot comme ton flot. C'est comme vous êtes. Quand tu, ceux qui ont voyagé en avion, on voit par les fenêtres. On voit que le monde c'est rien, ou bien c'est validé. On voit que c'est comme ça que tu es. Tu es comme celui qui a été transporté en avion. Par cette force naturelle, tu vois l'univers comme la vanité. C'est ça que tu es au-dessus du monde. Par la force naturelle, l'univers ne peut pas régir notre vie chrétienne. Par la force naturelle, l'environnement dans lequel nous sommes ne peut pas influencer notre vie chrétienne. Ne peut pas influencer notre spiritualité. Par la force naturelle, qui a influencé l'univers. Et dit l'univers, écoute la parole de Dieu. L'univers, écoute la parole de Dieu. Il a été dit que tous ceux qui mettent la pied, oui, dans ce quartier, mourront. Par la foi surnaturelle, je me rappelle cela. Moi, je vais mettre pied dans ce quartier et je vivrai. C'est ça la foi surnaturelle. C'est ça la foi surnaturelle. Acclame Jésus avant de dire. Gloire à Jésus. Donc nous allons définir le surnaturel. Le surnaturel c'est quoi? Nous allons définir cela. Acclame Jésus, D'abord, on ne peut pas comprendre le surnaturel sans comprendre le naturel. Le naturel c'est la nature. L'univers
Le naturel est l'univers de la nature. La mer, les cieux qu'on voit physiquement, la terre, les planètes, la lune, les étoiles, le soleil, l'atmosphère, la météo, le temps, l'espace. Qui que beaucoup. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Mais le problème. Notez au fur et à mesure tout ce que je dis. Mais non, l'homme n'y a pas tant le problème. La nature, c'est la mer. D'abord les cieux et la terre. Et tu peux pas y voir. Les cieux, c'est ce qu'on peut voir, on voit physiquement. Les cieux, tu peux pas y voir. Les cieux et la terre. Tu peux pas y voir. La mer. Les montagnes. Tout haut. La faune. La flore, les végétaux, les maisons, la beauté, la couche d'ozone, la quoi, les forêts, tout, les animaux, les oiseaux, tout ce qu'on voit, le vent, la chaleur, tout cela fait partie du monde naturel. Est-ce que vous comprenez? Le monde naturel, c'est le monde créé qu'on peut voir. Les cieux et la terre. Mais dans le monde naturel, il y a aussi le monde spirituel. Donc on va dire que le monde naturel est tout monde qui est en dessous. Le monde naturel est tout monde qui est en dessous de la, du surnaturel. Tu comprends? Le monde naturel est en dessous du surnaturel. Le surnaturel est au-dessus. Mais ma forme à quoi là? C'est bon? Elle quoi? Voilà. Je continue. Donc le surnaturel est l'espace au-dessus du monde naturel. Dans le monde naturel, vous mettez deux points. Vous faites deux points, vous mettez comme ça, flèche comme ça, flèche comme ça. Vous mettez monde naturel. Le monde naturel, dans le monde naturel, nous avons le monde spirituel et le monde physique. Qui comprend? Mais qu'est-ce que c'est? Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Dans les cieux, il y a des cieux, il y a un niveau des cieux qu'on appelle cieux des cieux. Ciel des cieux qui est le troisième ciel. Au commencement. Des cieux qui sont. Donc qui sont. C'est-à-dire des espaces. Le lieu de repos. Le royaume établi par Satan dans les airs. Dans la nature, il y a aussi le côté spirituel. Le troisième ciel est créé, ça dit c'est spirituel. Le troisième ciel est spirituel. Mais le troisième ciel qui est spirituel a été créé dans lors de la création du monde naturel. Dieu n'habite pas au troisième ciel. Dieu habite dans l'éternité. Il existait même en dehors de l'éternité. Il va former son jardin. Il va former sa demeure dans l'éternité. On appelle l'éternité. Le jardin d'Éden dans le ciel. Donc Dieu existait avant l'éternité. Même il existait avant l'éternité. Mais dans l'éternité, on dit qu'il est le Dieu éternel. Le Dieu éternel va créer son paradis à lui. Et ce paradis, nous l'appellerons le ciel des perfections invisibles. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce ciel qui est au-dessus du troisième ciel. C'est au-dessus du troisième ciel. Et c'est là, c'est ce que nous appelons le surnaturel. C'est ça qu'on appelle l'éternel. La Jérusalem céleste.
paradis céleste. Le ciel de la perfection. Du chiffre 7, quand on dit 7, on comprend que c'est le 7e. Or, il y a le 3e ciel aussi. Donc, c'est le lieu au-dessus du 3e ciel. C'est là la demeure que Dieu a établie dans l'éternité. Et c'est ça qu'on appelle le lieu, le monde surnaturel. Jérusalem en haut. Qui existait même avant la création des cieux et la terre. Lors de la création des cieux, les cieux des cieux qui sont appelés troisième ciel. Et le lieu de perfection. Le jardin du ciel. Le ciel de perfection. Le paradis. Est au-dessus du troisième ciel. Le troisième ciel, c'est là que Dieu va mettre la droite de Dieu. Dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Il est commun. Or, le paradis en question, c'est dans l'éternité. Paradis, c'est comme là. Mais le troisième ciel, c'est le reflet spirituel du paradis éternel de Dieu. Dans le temps, dans le monde naturel, au commencement. Pour le troisième ciel, les cieux des cieux, comme tout ce qui est créé au commencement fait partie du monde naturel. Quoi que le troisième ciel soit une représentation spirituelle du surnaturel, nous ne pouvons pas dire que c'est là que Dieu demeure en tant que Dieu à son autorité. Il va mettre au troisième ciel Jésus, le Fils de Dieu, comme le média entre le monde surnaturel et le monde physique. Donc Jésus, le Fils de Dieu, qui opère en tant que Dieu dans le troisième ciel. Et là, il est le représentant, le médiateur entre le Dieu qui est au-dessus du temps avec les hommes qui sont dans le monde physique. Dans le troisième ciel, est la médiation entre le surnaturel et l'humanité. Le surnaturel et l'homme physique sur la terre. Gloire à Jésus. La demeure de Dieu. Dieu là, il est dans le monde surnaturel. Au troisième ciel, c'est une représentation de Dieu. Comme le troisième ciel, c'est dans le temps. C'est dans le monde naturel. Dieu va juste se représenter là-bas, au troisième ciel. Par le Fils. Dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu visible. Voilà. Sinon, Dieu lui-même, dans son invisibilité, n'habite pas, n'a pas sa demeure d'abord au troisième ciel. Mais on dit souvent, Dieu là, on y prie. Donc, dans le lieu du surnaturel, au paradis éternel, c'est le Christ qui est Dieu. Dans le troisième ciel, il y a l'image naturelle, spirituelle du surnaturel. On dit que le Fils de Dieu est encore Dieu. Sur la terre, en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous est Dieu. Donc ça fait Père, Fils, Saint-Esprit. Donc Dieu est partout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc nous devons comprendre que le surnaturel est l'espace au-dessus du monde naturel. Dans le monde naturel, nous avons le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique n'a pas bougé. Le monde spirituel n'a pas bougé. Dans le monde spirituel et le monde physique sont les éléments qui ont été créés au commencement.
Dieu créa les cieux et la terre. Au lieu de dire Dieu créa les cieux et la terre, là, nous pouvons aussi dire au commencement, Dieu créa le monde spirituel et le monde physique. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. La terre, il y a la terre qui est une terre qui est physique. Il y a aussi une terre qui est spirituelle. Qui le sait? Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans la terre, il y a des cieux. Dites-moi, vous ne notez pas. Tout ce que je disais, vous ne notez rien. Vous ne notez pas. Communiquez-lui tout. Notez tout. Tout doit être noté. Vous devez vous débrouiller pour tout noter. Dans la terre, il y a les cieux. La nigba mais à Djibouti. La terre, anigba. Spirituel devient comme un globe. Anigba, bon, bon, toi, un zou. Un globe invisible. Un zou. Spirituel. Qui est en dessous du troisième ciel. Il Djibouti, ton lien. La terre spirituelle. Anigba, bon, et la terre physique. Après, anigba est comme la terre physique. Et pas anigba. Le globe terrestre. Les pays, on peut voir le quartier. La terre spirituelle. Un univers qui a été aussi créé dans Genèse 1:1. Vous comprenez? Dieu créa les cieux et la terre. Dans la terre, il y a des cieux. C'est pourquoi le lieu de repos n'est pas au troisième ciel. Après la mort, ceux qui meurent, ceux qui meurent en Christ, ils ne sont pas en même temps au troisième ciel. Ils vont au lieu de repos. Qui est aussi dans un des cieux, mais en dessous du troisième ciel. Tout ça fait partie du monde spirituel. Mais ça, on va nous sommes en train de poser quelques petits fondements. Dans l'enseignement de demain, nous allons approfondir sur ce domaine. Gloire à Jésus. Tu as parlé Jésus. Alors le monde surnaturel est le siège de la divinité suprême. Le monde surnaturel est le siège de la divinité suprême. Où Dieu fait ses décrets. C'est le monde surnaturel que Dieu fait ses décrets. Son conseil divin. Dans le salle du trône. Dans le palais de sa sainteté, dans son domaine. Dans le conseil de sa volonté. C'est le surnaturel. Qui est au-dessus du troisième ciel. Au-dessus du portail spirituel. Et au-dessus de la terre physique. Donc, c'est le gros lieu. Est-ce que vous comprenez? Le lieu le plus, c'est-à-dire la dimension éternelle de Dieu. Le paradis. Voilà. C'est là le monde. C'est depuis là-bas que Dieu exerce ses décrets. C'est là qui est le conseil divin. Sur l'univers. Le monde surnaturel est au-dessus du temps. Point. L'homme spirituel est capable d'opérer dans le surnaturel. Ou invoquer par sa foi le divin à agir. Hier, on a appris que par la parole de Dieu, nous devenons un homme spirituel, des hommes spirituels, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, l'homme spirituel est capable d'opérer dans le surnaturel en évoquant par sa foi le divin à agir. Le divin est dans le surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Mais l'homme qui est un spirituel sur la terre, pas de loi surnaturelle et spirituelle, peut inviter le divin, Dieu, à agir en sa faveur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Okay. Le monde naturel, quoi qu'elle soit formée par Dieu,
Par sa parole, un monde ordinaire. Ordinaire. C'est un monde ordinaire. Le monde naturel. C'est un monde ordinaire. Non. C'est un monde ordinaire normal. C'est un monde ordinaire quoi. Elle a parlé que au catholique. Gloire à Jésus. Dans le monde naturel, quoi qu'elle soit formée par Dieu, par la parole, un monde ordinaire. Le spirituel est l'image du surnaturel. Je peux dire le surnaturel. Le spirituel, une image invisible du surnaturel. Le spirituel, une image invisible du surnaturel. Est-ce qu'on peut voir le spirituel à la chair? Non. Donc c'est invisible. C'est une image, c'est le reflet du surnaturel. Malgré qu'elle soit le reflet du surnaturel, le spirituel est encore invisible. Donc le spirituel est un reflet invisible du surnaturel. Ou une photocopie invisible du surnaturel. Nous sommes en train de poser des fondements pour voler. Nous sommes concentrés avec toi. Nous sommes en train de voler. Tu es en train de voler. Gloire à Jésus. Tu es en train de voler. Maintenant, nous devons savoir quelque chose. Nous devons savoir quelque chose. Il y a les souffles. Il y a les souffles. Dans la terre, il y a les souffles. Dans la terre, il y a les souffles. La terre est composée de la terre spirituelle. Dans la terre, il y a le côté, il y a la terre spirituelle. Nous avons aussi la terre spirituelle et la terre physique. Et vous notez aussi que le monde surnaturel est au-dessus du monde naturel. Gloire à Jésus. Le temps joue sur nous donc. Nous avons. Il y a l'ordre de l'indita. Il est cacao. Job 32, verset 8. Il y a un peu de plat, ton bon, beaucoup comme ça. Job 32, le sang dit, je n'ai pas de Jésus. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans quel monde l'homme vit? Dans toute l'expérience que j'ai donnée, l'homme vit dans quel monde? L'homme habite dans quel monde? L'homme habite dans quel monde? Dans le monde? Oui, oui, d'autres dit naturel et physique. Oui, c'est dans le monde naturel, particulièrement dans le côté physique. Donc l'homme habite dans le monde physique. Ou bien on peut dire l'homme habite dans le monde naturel, précisément dans le monde physique. Qui comprend? C'est clair? Nous habitons dans le monde physique. Le monde physique est un peu touché. Mais ce monde physique est dans le monde naturel. Voilà, vous comprenez. Gloire à Jésus. Donc on dit que quoi que l'homme habite dans le monde physique, naturel, en réalité, l'homme n'est pas physique ni extérieur ni naturel. En réalité, l'homme est dans l'homme céleste. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Il y a un respect continuel. Quoi que l'homme habite dans le monde physique naturel, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le naturel. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le physique. Mais en réalité, dans le secret de l'homme, dans le lieu secret de l'homme, c'est. L'esprit. Car l'homme, c'est l'esprit. Ecclésiastes 3, le verset 11. Ecclésiastes 3, le verset 11.
Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait tout chose bon en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Reprenez s'il vous plaît. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses, toutes bonnes choses en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur. Il a mis dans le cœur de l'homme. La pensée de l'éternité. Qui est le Seigneur? Qui a la pensée de l'éternité? Qui? Mais qui normalement a la pensée de l'éternité? Ah, mais quand il y a des bonnes choses. Parlez à vos voiles. Pour mes peurs. Qui a la pensée de l'éternité? Mais quand il y a des bonnes maintenant, Dieu a mis dans l'homme quoi? La pensée de l'éternité. Dieu, quelle est la nature de Dieu? Dieu est qui? Dieu est esprit. Et Dieu a mis dans l'homme quoi? La pensée de l'éternité. Donc la pensée de l'éternité, c'est quoi alors? C'est l'éternité. Donc, et ça veut dire que l'homme a ce que Dieu a. Oui. Dieu est éternel. L'homme a reçu la pensée de l'éternité. Autant que Dieu est éternel, l'homme est aussi éternel. Donc ça veut dire que Dieu est esprit, l'homme est esprit. Dieu est éternel, l'homme est éternel. Vous voyez que nous avons toutes les potentialités. Alors, Dieu habite dans l'éternité. Dans le monde surnaturel. Dieu habite dans l'éternité. Dans le monde surnaturel. C'est dans l'éternité que le monde surnaturel s'assouce. Je vous explique. C'est dans l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement ni de fin. Oui. C'est dans l'éternité que le monde surnaturel qui s'assouce. Le monde surnaturel, c'est un monde, c'est un univers. Dieu est éternel. L'univers éternel dans lequel l'homme est. Vient de l'éternité. Je veux dire que Dieu existait avant l'éternité. Dieu est l'éternel. Il habite dans l'éternité. Et le monde surnaturel qui est au-dessus du temps, qui est au-dessus du spirituel, le monde surnaturel qui est au-dessus du troisième ciel, vient de l'éternité. Elle a été engendrée. Elle provient de l'éternité. Dans le monde, alléluia. Dans le monde surnaturel qui s'assouce de l'éternité. C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est timide, c'est clair? Oui. Vous dites oui, oui, c'est vrai. C'est clair. Gloire à Jésus. Donc Dieu habite dans l'éternité, je réponds. Dieu habite dans l'éternité. C'est dans l'éternité que le monde surnaturel qui s'assouce. Dieu est esprit. L'homme est esprit. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. Dieu habite dans l'éternité, mais il va mettre en moi l'éternité. La pensée de l'éternité. Nous savons que j'ai une grande autorité. Je suis un grand esprit. Ou bien, Dieu. C'est la pensée éternelle, Dieu, c'est l'éternité. Il va me donner aussi la pensée de l'éternité. Nous savons que j'ai une puissance que j'ignore. Nous avons une puissance que nous ignorons parfois. Nous avons une puissance que nous ignorons parfois. Nous avons une puissance que nous ignorons parfois.
avons la puissance éternelle de Dieu. Tu agis par la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Dieu a mis dans l'homme l'éternité afin qu'il existe. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. Afin que l'homme exerce le surnaturel, quoi qu'il vive sur terre dans le corps naturel. Soyez avec moi. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. Afin qu'il exerce le surnaturel. Quoi qu'il vive sur la terre physique, dans le corps naturel. Nous sommes en train de voler. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. Pourquoi Dieu a mis dans l'homme l'éternité? Dieu a mis dans l'homme l'éternité afin qu'il existe. Parce que Dieu vous a dit que le surnaturel qui s'assoit de tout. De l'éternité. Le surnaturel vient de l'éternité. Ou bien? Donc Dieu a mis dans l'homme l'éternité afin que l'homme existe dans le surnaturel. Ou bien afin que l'homme exerce le surnaturel. Quoi qu'il vive sur terre, dans un corps naturel. Quoi qu'il vive sur la terre physique, dans un corps naturel. Donc ça veut dire que, quoi que vous me voyez, je vis sur terre, sur la terre physique. Quoi que je vis dans mon corps naturel. Moi, mon esprit est éternel en moi. Et mon corps est dans le monde physique. Qui est dans le naturel. Quoi que je vis dans le naturel, Dieu m'a donné un pouvoir éternel pour me permettre de manifester le surnaturel que lui-même manifeste sur la terre physique. Acclame Jésus. Dieu est éternel. L'homme est éternel. Dieu est esprit. L'homme est esprit. Le surnaturel qui s'assoit de l'éternité. Dieu existait avant le surnaturel. Dieu est éternel. Dieu existait avant l'éternité. Il va habiter dans l'éternité et a créé le monde surnaturel l'éternité pour, comme ça demeure. Alors, moi qui suis à l'image de Dieu, comme Dieu est esprit, je suis aussi esprit. Comme Dieu est éternel, je suis aussi éternel. Il a mis en moi ce pouvoir éternel pour me permettre, moi, qui marche sur la terre physique, dans un corps naturel, dans le monde naturel, le pouvoir du Dieu surnaturel sur certains visibles. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Comment ça, mon Dieu, tu peux faire comme Dieu? Dieu est au ciel là-bas. Toi, tu es sur la terre. Mais toi et Dieu, vous êtes en communication. Toi et Dieu, vous êtes en intimité. Toi et Dieu, vous pouvez parler. Vous pouvez déclarer des choses. Toi et Dieu, vous pouvez agir ensemble. Toi et Dieu, vous pouvez entendre. Dieu peut entendre. Et dit, c'est pas toi, je vais passer pour agir. Toi qui l'avais Dieu dit, je vais faire quelque chose, comment faire? Il te dit, fais comme ça, fais comme ça. Parce que maintenant, ton esprit est éternel, Dieu est éternel, vous êtes unis, vous êtes un même esprit. Et tu es en communication avec Dieu sur la terre. Avec Dieu. Donc, si tu es intime avec Dieu, si tu es né de Dieu, toi et Dieu, vous êtes en communication. Dieu, lui, est au ciel dans l'éternité. Toi, tu es sur terre.
L'esprit qui a mis en toi a la capacité d'exercer ce que tu lui fais dans le surnaturel. On t'a Dieu dans son domaine surnaturel. Déclarer tes conseils, tes décrets, prophétise, agis. Moi aussi qui suis sur terre visible, parce que j'ai la divinité en moi, parce que j'ai le divin en moi, parce que le Saint-Esprit habite en moi, je suis aussi capable de faire des décrets, de déclarer des choses, de prophétiser. Et tout ce que je dis est capable d'arriver, parce que je suis un humain de Dieu. Et ce que je fais, je suis aussi capable de le réaliser. Acclame encore Jésus. C'est ça, la foi surnaturelle. La foi surnaturelle. Gloire à Jésus. Alléluia. L'homme esprit a été créé pour vivre le surnaturel. Voilà pourquoi nous sommes créés sur la terre. Un verset nous dit, cherchez-moi ça. Dieu est au ciel et a donné la terre au fils des hommes. Cherchez-moi le verset. Sa demeure est au ciel, mais il va donner la terre au fils des hommes. Lui, il est au ciel, il exerce le surnaturel. Mais nous, on est couronnés ici, on exerce le surnaturel sur la terre. Donc Dieu compte sur nous. Il compte sur un peuple. Parti pour exercer cette décret. Manifester son autorité. Agir sur terre. Gloire à Jésus. L'homme esprit a été créé pour vivre le surnaturel. Pour exercer le pouvoir de l'éternité. Voilà pourquoi je ne suis pas à l'école seulement. Si j'étais à l'école, je n'allais même pas être divin. Je serais corruptible, physique, terrestre. Je suis comme les animaux. Ils sont des espèces corruptibles. Mais moi qui suis homme, je ne suis pas corruptible. Je suis incorruptible. Parce que je suis esprit à l'image de Dieu. Les animaux ne peuvent pas exercer les décrets divins par leur propre force. Dieu est capable de les manipuler à sa volonté. Dieu est capable de les commander à sa volonté. Mais eux-mêmes ne peuvent pas manifester le surnaturel. Parce qu'ils ne viennent pas d'en haut. Ils ne viennent pas de l'éternité. Ils ont été faits terrestres, corruptibles et seront vanités. Mais toi et moi, nous venons de l'éternité. Nous sommes les esprits éternels qui venons de l'éternité. Et Dieu a mis quelque chose en nous. Et il confie l'esprit qui est en nous. Achever cet esprit. Pour agir selon sa volonté. Pour obéir à ses ordres. Pour juger. Déclarer. Et les choses que nous déclarons arriveront au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Personne n'a trouvé. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? Au fils de l'homme. Donc nous là, c'est la terre qu'il nous a donnée. Lui il est au ciel. Mais il nous a donné la terre. Pourquoi? Pour que nous puissions exercer sa volonté. Avant de retourner au ciel, là où il était. Donc avant de retourner au ciel, là, il nous donne le temps, suffisamment de temps, d'exercer ces décrets sur la terre. Si nous ne faisons pas les décrets sur la terre, notre présence sur terre est invalide. Si je n'arrive pas à ordonner au surnaturel, si je n'arrive pas plutôt ordonner, gouverner par le surnaturel, si je n'arrive pas à exercer le surnaturel de Dieu, ma présence sur la terre n'est pas valide. Je suis comme Dieu. Quand on dit dans nos vides, je ne fais rien pour plaire à Dieu. Je suis comme Dieu, je marche comme des animaux. Parce que je ne vis pas le surnaturel. Oh, Dieu a mis à moi le surnaturel. Il avait gratuitement exercé autour.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'homme esprit a été créé pour vivre le surnaturel. Pour exercer le pouvoir de l'éternité. Pour exercer le pouvoir de l'éternité. L'éternel. L'éternité. Le monde surnaturel. Est la source de toute spiritualité. Voilà, voilà, c'est ça. L'éternité, figure. Ma po. Le monde surnaturel. Le divin. Ma ou. Ou l'éden. Alors, Adam, bon. Ou bien, attends. Je laisse avant l'éden et je vais mettre en place. L'éternité, le monde surnaturel. Le monde surnaturel, attends, l'éternité, figure, laissez le monde d'abord, effacez le monde surnaturel d'abord. Mm-hmm. L'éternité, mm-hmm. L'éternité, l'éternité, le divin est la source où le Père. La sous-figure est le père de toute spiritualité. Quand on dit spiritualité, c'est quoi? Tout ce qui concerne l'esprit. Tout ce qui concerne le spirituel, l'esprit. Tout ce qui concerne le souffle invisible. C'est ça qu'on appelle spiritualité. Tout ce qui est spirituel. Tout ce qui n'est pas physique. Mais qui est réel. La spiritualité, c'est tout ce qui concerne le souffle de l'esprit. Tout ce qui concerne les réalités qui ne sont pas physiques, mais qui existent réellement. C'est ça qu'on appelle l'au-delà. Le monde de l'au-delà. La spiritualité. C'est ça ce monde. Et j'ai dit l'éternité. Le divin est la source et le père de toute spiritualité dans l'univers. C'est bon? Voilà. Maintenant, point, c'est bon? Le monde surnaturel. Le monde spirituel. Le monde surnaturel. Figure. Le jardin d'Éden céleste. Et d'un beau papa. Le jardin d'Éden céleste, virgule, la Jérusalem d'en haut, et Jérusalem du poto, est la mère de toute spiritualité. De toute spiritualité dans le monde. Ce qui veut dire que c'est du ciel, c'est du Père éternel. Et du ciel, tous les hommes ont copié la spiritualité. Ou bien, tout vient de là. Alors c'est Dieu qui est le Père des esprits. Dieu est le Père des lumières. Voilà. Gloire à Jésus. Donc le surnaturel. Encore définition une autre définition du surnaturel. Le surnaturel est la dimension élevée de Dieu. Le surnaturel est la dimension élevée de Dieu. Duquel Dieu vous plaît. Le surnaturel. Est la dimension élevée de Dieu. Duquel tire sa source. Toutes les lois invisibles.
qui régisse l'éternité par le règne de Dieu sur le monde naturel. Le surnaturel, la dimension élevée de Dieu, duquel tire sa source toutes les lois invisibles qui régissent l'éternité, qui régisse l'éternité dans le règne de Dieu sur le monde naturel. Alléluia. Acclame Jésus. Maintenant, des redéfinitions de la foi surnaturelle. La foi surnaturelle est cette assurance. Ce pouvoir divin que Dieu donne à tout homme pour influencer le monde naturel et dominer sur les lois naturelles. Je reprends. La foi surnaturelle est cette assurance, ce pouvoir divin que Dieu donne à tout homme pour influencer le monde naturel et dominer sur les lois naturelles. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire la seule possibilité pour l'homme de vaincre le monde, la seule possibilité pour l'homme de dominer sur le monde, de triompher du monde, des lois qui sont dessus des lois naturelles. Nous avons dit que nous sommes esprit éternel avec Dieu. Le corps physique en contact avec le monde physique. Ou bien, si nous sommes divins, si nous sommes des esprits divins, comment allons-nous triompher du monde naturel? Est-ce que notre corps physique le toucher que nous allons triompher du monde naturel? Non. Alors, si nous sommes spirituels, si nous sommes divins, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est notre esprit. C'est pas le surnaturel, c'est pas les lois surnaturelles et spirituelles de Dieu qui vont vaincre le monde naturel. Anéantit le pouvoir du monde naturel. Parce que il y a des lois naturelles qui ont été adressées, qui ont été régies. Il y a des lois naturelles qui régissent l'univers. L'univers dans lequel nous sommes régis des lois naturelles. Et les hommes victorieux sur l'univers sont des hommes qui ne placent pas leur confiance dans les lois naturelles. Ils ne sont pas des hommes ordinaires. Les lois naturelles sont des lois routinières. Les choses ne changent jamais. C'est une loi qui ça ne transforme jamais. C'est les mêmes choses. Et ça devient fatigant. C'est ça qu'on appelle la routine. L'homme naturel est gouverné par les lois naturelles. L'homme naturel est l'homme qui se confie à sa chair pour influencer le monde. Mais l'homme spirituel est l'homme qui n'est pas gouverné par les lois naturelles. L'homme spirituel, l'homme qui est gouverné, qui gouverne par la parole de Dieu pour influencer l'univers, pour renverser les lois naturelles et agir sur le monde physique. Je vous donne un exemple pour vous comprendre les choses. Dieu a vu que l'humanité était perdue dans le péché. Dieu nous a envoyé qu'ils ont fait ça pour venir sauver l'humanité. Lorsque Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ sur la terre, il y a des lois naturelles qui ont été régies. Des lois naturelles qui existaient. Étaient des lois qui existaient, qui sont établies. C'est la seule loi qu'on doit respecter. Or, le plan de Dieu, c'est d'opérer la venue du Fils comme un miracle. C'est-à-dire, le Dieu doit être manifesté en chair, ou bien
Et nous disons que l'Esprit de Dieu a été incorporé dans le ventre de Marie. Pour être Jésus. Ou bien, est-ce que la naissance de Jésus était un accouplement? C'était l'accouplement entre Marie et Joseph qui a fait naître Jésus. Est-ce que c'était un rapport sexuel? Non. Mais comment les hommes doivent naître normalement? Pas de rapport, pas l'accouplement, pas la rencontre de deux êtres opposés. Ou bien, en Dieu, lui ne voulait pas que le Fils de l'homme qui doit sauver l'humanité naisse une semence de l'homme. N'est-ce pas une semence qui rencontre entre deux hommes terrestres? Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que le Père de vie descend du ciel. Que la parole descend du ciel sans contrefaçon, sans attachement à la chair. Déjà, nous savons que le péché d'Adam était une conséquence de l'humanité. Et ce qui laissait dans leur esprit avait le péché d'Adam. C'est pourquoi celui qui n'a pas encore Jésus, même s'il fait des œuvres pour être juste, il n'est pas déclaré juste. Il faut qu'il croit les morts Jésus. Pour que son esprit soit purifié, pour qu'il ne soit pas né selon Adam, mais selon Jésus. L'esprit. Alors, si Jésus naissait normalement dans la chair, il allait aussi être coupable du péché d'Adam. En lui, il vient d'en haut. Il ne peut pas être corrompu par la chair. Mais nous remarquons qu'il était sous terre, il est la parole dans le corps. Mais qui avait porté juste un corps terrestre pour dominer sur le péché? Mais si son esprit était souillé, il n'est plus le fils de l'homme. Parce que l'Écriture dit qu'il est sans péché. Il n'a jamais commis de péché. En disant que tous ceux qui naissent d'Adam sont déclarés pécheurs. Donc eux-mêmes n'ont pas péché comme ça. Si Jésus n'est pas une biologie, on allait dire que Jésus est aussi pécheur. Oh, il n'est pas pécheur, mais il a pris un corps de péché. C'est un saint, un esprit de Dieu, ou bien le Saint-Esprit qui a pris le corps de péché pour venir sur la terre. Ce corps ne l'influençait pas. Alors, c'est lui la parole vivante. Alors, pour que Dieu puisse permettre à ce que l'esprit de l'homme ne soit pas sourd, pour que Dieu ne s'attache ni c'est depuis le ciel. Il ne peut déclarer pécheur comme les hommes. Il faut qu'une loi naturelle soit renversée. Quelle est la loi naturelle? La loi naturelle dit que avant qu'un homme naisse ou un enfant naisse, il faut accoupler. Bah, il faut rencontrer entre père et mère. Quand l'enfant naît de l'accouchement de sa mère, mais pas la venue du fils, Dieu qui est au monde surnaturel a renversé la loi naturelle biologique qui parle de l'accouplement pour que le fils de l'homme naisse. Non, c'est une loi naturelle, mais c'est une loi surnaturelle. Donc c'est le miracle de l'enfantement de Jésus. Qui va passer ce miracle? Acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà comment Dieu a renversé la loi naturelle. Donc le surnaturel a agi. C'est pourquoi Jésus a dit le mot surnaturel. C'est-à-dire que la parole est venue d'en haut. La parole vient du mot surnaturel. Et vient du mot naturel. Sans être influencé par les lois naturelles. Jésus fait de toi un homme spirituel qui n'est pas influencé par les lois naturelles, mais plutôt qui influence les lois naturelles et qui rend la opposition néfaste. Chaque fois que tu vois une loi naturelle s'opposer à la puissance de Dieu de ta vie, le Saint-Esprit te donne la capacité d'exercer une loi surnaturelle pour dominer sur la loi naturelle. Il y a une autre loi. Est-ce que vous allez? Il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravité. Est-ce la loi de la pesanteur. Alors, qui dit que tout objet qui était dans l'air
tenir en l'air, ne peut pas être s'arrêter en plein air. Nous sommes dans la yama. Ne peut pas monter, monter et ça est en stagnance. Ou bien, cette loi, il y a une loi qui fait ça. C'est la loi. Vous voyez, ça tombe en même temps. Ça tombe en même temps. Mais il y a un miracle surnaturel. Nous connaissons la loi surnaturelle. Nous connaissons cette loi naturelle. C'est lui qui a créé l'univers. Mais c'est lui qui a établi les lois naturelles. Vous comprenez? Mais parfois, les mêmes lois naturelles sont fausses à quelques moments. Lorsque c'est pas satanique, d'abord, c'est pas satanique. Mais Dieu veut opérer quelque chose avec nous. Mais nous voyons qu'il y a une force naturelle. Puisque c'est le même Dieu qui a créé le naturel, qui est naturel. Ça, on dit qu'il nous a donné le pouvoir d'influencer le naturel et d'orienter le naturel par le surnaturel. Si je commence par. Je vois que tu veux opérer quelque chose avec moi. Il y a une loi naturelle qui s'oppose à cela. Je me lève, je parle. J'agis avec la puissance de la parole. Avec la parole créatrice. Avec la parole, le pouvoir spirituel de la parole. Et je fais quoi? J'annule cette loi naturelle par une loi surnaturelle. Alors, il y a une loi qui disait que personne, vous voyez, personne ne doit rester. Vous voyez, je ne peux pas rester à l'air. Je fais tout. Vous voyez, naturellement, c'est impossible. Mais dans un miracle, Jésus a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux pour renverser la loi de la gravité. Attends, Jésus. C'est ça la force naturelle. Il est roi, il doit tomber d'abord. Il doit tomber normal, il ne peut pas. Cette force naturelle qui fait, qui est dit, c'est l'impossible. Qui fait l'impossible. Rien n'est impossible. Viens s'avancer un peu. Il a commencé par faire comme lui. Il a commencé par tout. Quand il a commencé par tout, il est tombé dedans. C'est ça la foi. Cette foi-là, tout le monde a cette foi. Tout le monde a ça. Mais tout le monde ne lui manifeste pas. Donc, cette, la loi, une loi sur la nature spirituelle a renversé une loi physique ou naturelle. Normal, les hommes ne peuvent pas, la science ne peut pas comprendre. Les scientifiques ne peuvent pas comprendre. Mais Jésus, d'abord même, Jésus a aussi, il est monté dans les airs. Est-ce que l'homme peut voler naturellement? Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Mais Jésus est monté lors de l'enlèvement de l'Église. Non, lors de son ravissement, lors de son ascension, lors de son enlèvement après sa résurrection. Il est monté au ciel. Et s'il a renversé aussi une autre loi de l'univers. À l'enlèvement de l'Église, nous aussi nous allons monter. Ça, c'est notre loi surnaturelle. Mais si tu n'as pas la foi, les gens vont monter, tu vas rester. Amen. Gloire à Jésus. Nous continuons à rester. Alléluia. Donc la force naturelle est cette assurance sans ce pouvoir divin que Dieu donne à tout homme pour influencer le monde naturel, dominer sur les lois spirituelles et naturelles. Tout homme sans exception. Tout homme sans exception. Et sans exception de personne peut exercer dans le surnaturel. Comme Dieu lui-même l'a fait. Tout homme sans exception. Sans exception. Peut exercer dans le surnaturel. Peut accomplir le surnaturel. Comme Dieu lui-même le fait. Parce que l'essence de la divinité lui-même, sa nature, est en l'homme. Comme tu es l'esprit, l'homme est aussi esprit. Maintenant, il y a quelque chose. Les païens aussi pouvaient les voir. Ils étudient ces lois.
Ils utilisent ça. Autant de ça. Et parfois ça marche. Vous savez pourquoi? Eux aussi ont l'esprit de Dieu. L'esprit humain là, ils ont ça. Ou bien, ils sont aussi des hommes, non? L'esprit âme et corps. Eux utilisent des pratiques sataniques, c'est-à-dire des choses. Ils mélangent tout. Et ils le font. Mais comme Dieu, comme nous disons que toute spiritualité vient de Dieu, il prend ça et agit et ça marche. Il prend ça, mais normalement c'est nous qui devons le faire. Est-ce que c'est un chrétien qui a fait l'avion? Qui a fait le bateau? C'est le chrétien? C'est la foi surnaturelle qu'ils ont manifestée. Sans Jésus. Parce qu'ils ont obéi aux lois surnaturelles. Sans Jésus. Mais sans Jésus, là, ils iront où? En faisant ça, là, ils ont fait bien. Ils ont appliqué ces lois. Est-ce qu'ils iront au ciel? Sans Jésus. Mais nous qui croyons en Jésus, là, qui sommes sauvés, c'est nous qui devons les manifester. C'est nous. C'est d'abord Jésus l'a fait. Dieu l'a fait. C'est nous qui devons manifester cette foi naturelle. Et nous laissons ça aux esclaves. Nous laissons ça aux gens de ce monde. Alléluia. Amen. La foi surnaturelle est une dimension incroyable. Une dimension très très incroyable. Par laquelle nous pouvons triompher du monde. La foi surnaturelle est extraordinaire. C'est une puissance extraordinaire par laquelle l'humain innove. Voilà, mettez ça. La foi surnaturelle est une dimension par laquelle l'humain innove. Innove, c'est quoi? Hein? De nouvelles choses. Des choses nouvelles qui n'existaient pas. Donc la force naturelle, par la force naturelle, nous pouvons innover. Voilà. Donc, c'est une dimension incroyable, extraordinaire, par laquelle l'humain innove des nouvelles choses, par la science des mystères. Et c'est la science de l'éther, du jardin d'éther du ciel, du paradis de la Jérusalem d'en haut. Donc, on innove ces choses pour les réaliser. C'est aussi la foi surnaturelle qui fait ça. D'innover et de réaliser. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons innover d'une manière surnaturelle. Les païens ont développé ça. Ils prennent la Bible et ils lisent les lois pour créer l'avion, pour créer les choses, les motos. Tout est dans la Bible. Ils savent que c'est de Dieu que cela est. Et d'abord, même sans Jésus là, on peut le faire. Parce que c'est naturel, c'est quelque chose de divin. L'homme aussi a, eux tous ont esprit, âme et corps. Un mélange ça avec la science du monde. Il prend la science du monde avec la parole. Mais comme c'est cela vient de Dieu, normalement, pourquoi ça me sert aujourd'hui? Normalement, c'est nous qui devons lever pour opérer dans la technologie. C'est nous qui devons opérer dans la science. C'est nous qui devons dicter la volonté de Dieu dans le monde. Mais nous allons laisser le monde aux autres. Parce que nous ne connaissons pas les lois spirituelles. Nous ne connaissons pas les lois surnaturelles. Je peux continuer? Voilà. La foi surnaturelle est une énergie ultra divine. La foi surnaturelle, une énergie ultra divine par laquelle l'homme est capable
d'agir comme Dieu en faisant des dessins invisibles dans sa pensée de l'éternité pour qu'elle soit visible dans la réalité. La foi surnaturelle, une énergie ultra divine par laquelle l'homme est capable d'agir comme Dieu en faisant des dessins invisibles dans sa pensée de l'éternité pour qu'elle soit visible dans la réalité. La foi surnaturelle. Et cela se fait par le pouvoir de la pensée éternelle de Dieu. Et cela aussi possible par la puissance créatrice souveraine du Père des Lumières. Cela se fait par la puissance créatrice souveraine du Père des Lumières. La foi surnaturelle ordonne à l'invisible d'apparaître dans le visible. Ou bien, c'est pas cette fois que le monde a été créé, non? Le monde visible a été créé par la parole. Donc cette foi surnaturelle ordonne à l'invisible qui est dans la pensée de Dieu d'apparaître dans le visible. Elle permet à l'éternité d'agir dans le temps. Elle permet à l'éternité d'agir dans le temps. La foi surnaturelle amène à l'existence des choses qui n'existaient pas avant. Par la foi surnaturelle, nous amenons à l'existence les choses qui n'existaient pas avant. Qui n'existaient pas la foi. Non. La foi surnaturelle pense. La foi surnaturelle pense. La foi surnaturelle pense. La foi surnaturelle invente. La foi surnaturelle innove. La foi surnaturelle crée. Récrée. Et toi, transforme, et gouverne, et pia, dirige, et nous, depuis le standard de l'éden. Ou la Jérusalem céleste. Alors, Jérusalem, tu peux toi. La foi surnaturelle influence le monde naturel. La foi surnaturelle impose silence au monde. La foi surnaturelle impose silence. C'est nous les enfants de Dieu qui devons avoir cette foi surnaturelle. Qui veut l'avoir? Qui veut avoir cette foi surnaturelle? Lève-toi, tu dis: je reçois cette foi surnaturelle. Je reçois cette foi surnaturelle. Pour inventer, pour innover, pour créer, pour ordonner aux choses invisibles devenues dans la réalité. Je reçois cette foi surnaturelle. Pour recréer, pour innover, pour déclarer, pour prophétiser, pour idéaliser tout ce que je crée, tout ce que j'innove, tout ce que je pense, arrive maintenant, par la foi surnaturelle, par la foi surnaturelle, par la foi surnaturelle, tout ce que j'entends se réalise, tout ce que je pense, agréable. Tout ce que je dis en esprit de bien arrive. Tout ce que je vois en esprit arrive. Toutes mes visions que je reçois s'accomplissent. Toutes les visions que je vois en Jésus arrivent. Dans cette foi surnaturelle, je prie du monde. Dans cette foi surnaturelle, le monde devient comme un livre. Le monde devient comme un papier. Parce que dans cette foi surnaturelle, Jésus m'a mis au-dessus de toute domination, de toute autorité. Dans cette foi surnaturelle, je déclare, je confesse,
ta doute, votre autorité, par la foi, surnaturelle. Oui, Jésus, les décrets du ciel sur la terre. Je commande à la mer de l'obéir. Je commande à la terre de l'écouter. Je commande aux cieux de l'obéir. Oui, personne ne restera devant moi. Personne. Tu vois le monde, la chair, l'âme, le corps. Voilà pourquoi il y a le bon signe. C'est zéro. Parce que pas la force naturelle. On te met au-dessus d'eux. Et c'est toi maintenant, quand tu penses quelque chose, ça arrive en même temps. C'est ça les sorciers utilisent. Ça, ça ne les appartient pas. Ils n'ont pas cru en Jésus. Nous qui croyons en Jésus, Jésus qui manifestait sur terre la loi, la force surnaturelle. Pourquoi n'allons-nous pas faire comme Jésus? Jésus lui-même va nous dire que nous ferons plus que lui. Ils n'ont pas quelqu'un qui peut faire plus que Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Ils ont Satan. Ils ont la sorcellerie. Et on perd avec ça. Mais nous, on est des filles de lumière. On n'est pas dans la sorcellerie. On a le pouvoir de la parole. Notre esprit même est un pouvoir divin. Pourquoi nous sommes peureux devant les choses? Le ciel donne la foi maintenant. Il n'y a plus pas maintenant là. Les sociétés en pleurent. La parole est comme le feu. La parole est un feu dévorant. Quand la force naturelle, tu n'as plus peur. Le monde, tu marches sur le monde. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur la main de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. C'est ça la force surnaturelle. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. La force surnaturelle change le cours des histoires. Parfois il y a des moments de désespoir. Il y a des moments difficiles, des moments compliqués. Mais en la fin de Dieu dit non. Ça change le cours de cette histoire. Cela ne se réalise pas. Dans votre famille, tout le monde échoue au matin. Quand tu es enfant de Dieu, tu as la force naturelle. Tout te lève, tu dis non. Je dis non. Ça ne se réalisera pas. Je proclame sur ma famille que tous ceux qui iront au bac. L'histoire de la famille change. Pas la force naturelle. C'est Dieu ordonné à la pluie de s'arrêter. C'est Dieu ordonné à la terre de souffrir en deux. C'est la force naturelle. Et quand l'église de Dieu va arrêter cette façon, l'église de Dieu va arrêter cette façon. Satan là, on l'oublie. Et on prie de nous. Et le diable ne peut plus, les démons ne peuvent plus avoir le pouvoir sur nous. Parce que c'est ça, il trouve que vous n'avez pas ça, nous n'avons pas ça. Il le trompe. Et il le met devant, il met la séduction. Maintenant, tu connais, tu as tout maintenant. Tu sais maintenant que tu as l'éternité en toi. Tu as le divin en toi. Tu as le pouvoir de la parole en toi. Tu peux opérer la dimension de Christ. Alors, essaie cette foi. Et le monde se soumettra à toi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. La force surnaturelle change le cours des histoires. La force surnaturelle change les vies. Les choses les plus compliquées à la science. Les choses les plus compliquées à ceux qui sont rationnels, les théologiens. Ceux qui raisonnent. Ceux qui raisonnent. La philosophie. La force surnaturelle est capable d'aller dans les lieux les plus cachés, les lieux les plus difficiles. Tu as cette foi, tu as cette force. Tu as cette force naturelle. Nous avons cette force naturelle. À
à partir d'aujourd'hui, cette foi surnaturelle s'accomplit, se réalise. Dans l'église du Togo, dans la sainte doctrine de Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est cette foi naturelle qui a le pouvoir de vaincre toutes les lois naturelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous expliquer des réalités spirituelles. Par connaissance, liées à la foi surnaturelle. Dans la foi surnaturelle, en même temps, dans la foi surnaturelle, ou la foi surnaturelle, ce c'est de l'imagination. Et de la mona et sous de la dame de. La foi surnaturelle se sert de l'imagination. Qui est la démonstration invisible de la volonté surnaturelle par laquelle cette loi surnaturelle est exercée. La foi surnaturelle se sert de l'imagination qui est la démonstration invisible même de la volonté surnaturelle par laquelle cette loi surnaturelle est exercée. L'imagination, c'est quoi? Qui peut me définir ce que c'est l'imagination? C'est la pensée. Ça, c'est la pensée. Hein? Ça, c'est la pensée. L'imagination. On voit les choses. Les choses. Qui souvent imagine. C'est-à-dire, quand tu fermes les yeux, tu ne commences pas à voir les choses. Parfois, tu es ici. Tu veux aller à l'école demain. Tu te vois à l'école. Ou mais tu veux aller à l'examen. Tu es ici maintenant. Tu fermes les yeux. Tu commences à te voir à l'école, à l'examen. Qui voit ça? Qui explique ça? Ou soit tu dis demain, j'irai à la montagne. Et quand tu fermes les yeux en même temps, tu commences à te voir sur une haute montagne. Qui a expérimenté cette foi? Voilà. Ou soit, demain je vais aller au marché. Je ferme les yeux. Je commence à te voir au marché. Ou bien, ça s'appelle l'imagination. C'est ça l'appelle l'imagination. Quand tu fermes les yeux, ça dit. L'imagination opère avec la pensée, notez ça. L'imagination et la pensée se travaillent ensemble. C'est-à-dire, je suis ici. Demain, mais maintenant même. Quand je vais finir, je vais prendre de l'eau et boire. Le frère, il a pris de l'eau. Ou bien, il a pris de l'eau. Avant d'aller prendre l'eau là, il s'est vu en train de prendre l'eau d'abord. Ou bien, c'est toujours comme ça. Il s'est vu en train de prendre et c'est ça qui l'a poussé à le prendre. Ça, c'est le pouvoir écrivé. L'imagination et l'imagination et la pensée travaillent ensemble, collaborent ensemble. L'imagination, c'est un pouvoir naturel que tu as donné à tout temps. Quand tu as l'esprit, tu as l'imagination. Quand tu as la pensée, tu as l'imagination. Pas la force naturelle, fais attention à tes imaginations. Ne imagine plus le mal. N'imagine plus les choses pures. Imagine-toi en train d'évangéliser. Imagine-toi en train de méditer la parole. Quand tu t'imagines en train d'évangéliser, tu évangélises. Quand tu t'imagines, imagine en train de chanter, tu chanteras. Mais si tu imagines, en train de regarder les films et puis, quand tu imagines, en train de commettre l'impureté, tu feras l'impureté. Vous me comprenez? En réalité, c'est quoi? L'imagination est un point de départ. L'imagination, c'est le début du départ. D'un lieu à un autre. L'imagination est le début du départ d'un lieu à un autre lieu.
Si tu vois quelque chose dans ta pensée, tu imagines ça, tu es en train de te préparer à le faire. Donc si tu vois le bien là, tu vois les bonnes choses, la foi surnaturelle te pousse à réaliser. Mais si tu imagines quelque chose, tu imagines la colère. Tu imagines la trahison. Tu imagines l'hypocrisie. Tu imagines le péché. Tu vas pécher. C'est naturel. Vous le comprenez. Quand tu fermes les yeux là, même si tu ne fais pas là, quel pensée voyage. Nous disons que l'imagination est le voyage dans le monde surnaturel. Et il y a un les combien dans le surnaturel plutôt? Je préfère mettre le spirituel, c'est mieux. L'imagination est le voyage dans le spirituel. Et il y a un le corps. Quand tu imagines maintenant, dans la réalité, d'abord dans le spirituel, tu as voyagé. Imagine, c'est spirituel. Dans le monde spirituel, les choses sont en façon de seconde. Les choses, ce que je peux faire dans 30 minutes, là, je peux faire ça en une seconde. Quand tu fais songe, tu peux faire un songe de 5 minutes. La terre coûte 2 minutes à matin. Tu dors, tu te réveilles à 10 minutes. Mais pour expliquer, tu peux faire 24 heures de temps à l'esprit. Combien? Tu fais une minute de son, tu l'expliques. Et j'ai vu ici, comment tu avais pu tout voir tout ça? Dans 5 minutes, dans 8 minutes, tu as voyagé. Et tu as accompli beaucoup de choses dans le monde. En tout cas, quand on va parler des sons des rêves, on va parler des sons. L'imagination, c'est le déplacement dans le monde spirituel. C'est le voyage dans le monde spirituel. Déjà, par la force naturelle, tu ne dois pas, tu dois créer, tu dois permettre au Saint-Esprit de former ton esprit. Pour que ton esprit ne imagine pas les mauvaises choses. Pour que ton esprit idéalise, imagine des choses agréables. Et là, tout ce que tu vois dans ton esprit, dans la réalité, l'Esprit de Dieu amène ton esprit à accomplir la chose. Je vais vous dire des versets. Tout est dans la parole de Dieu. C'est ça le côté spirituel de l'Esprit de Dieu. C'est notre dimension, non? Oui. Combien? Oui. Acclame Jésus, acclame Jésus. Marc 11, verset 24. Marc, va quoi être envie de faire pour l'avant? Marc 11, verset 24. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Celui qui demande là, il imagine. Quand tu demandes quelque chose là, imagine que tu le reçois. C'est ça la foi. On appelle démonstration. Et la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Comment se passe la démonstration? Tu espères la chose, tu ne l'as pas encore reçue. Comment tu dois démontrer cela pour l'avoir, pour le recevoir? Par l'imagination. Si tu veux aller au ciel là, imagine toujours tout. Ta foi non. Être en train d'être enlevé. Si tu vois toujours en enfer, tu y en as fait. Si tu te vois toujours en enfer, tu iras en enfer. Mais si tu te vois toujours au ciel, tu iras aussi. Dans ta vie, même il va vivre le ciel sur la terre. C'est ce qu'on imagine. Là où on va, c'est le déplacement. Si j'imagine le feu de l'enfer, si je me vois en train d'être tourmenté, je suis en train de prendre le point de départ pour aller en avant. Parce que je ne prépare mon esprit pour aller en
Si aujourd'hui, par la foi, par la vie de cette église, je crois que je suis en Christ et je m'imagine au ciel. Je vis la sainteté dans mon esprit. Je me vois avec les anges. L'homme doit être tiré au ciel. On dit quelque part, ce qu'il pense est ce que c'est ça les pensées des autres. Ce qu'il est les pensées des autres. Ce que les pensées des autres est, c'est ce qu'il est. Donc, ce que tu idéalises dans tes pensées là, c'est ce que tu es. Si tu penses toujours, je suis pauvre, moi, je suis pauvre. Si dans ta pensée, tu imagines toujours. Être malade. Toujours malade. Parce que ton esprit là, c'est le premier niveau d'esprit à le corps. Si ton esprit là ne voit que le mal, déjà, il triompheront sur ton corps. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Si dans le spirituel, le combat a été, c'est-à-dire le combat spirituel, qui a été. Si ton combat spirituel a été échec, et toi dans ton imagination, la chair de pouvoir sur toi, dans la réalité, tu es échoué. Tu as le pouvoir sur l'esprit. Et sur le péché, c'est pourquoi nous disons que l'imagination est le point de départ dans la spiritualité. L'imagination, la foi en esprit. Donc, quand on dit que quand vous demandez quelque chose, croyez que cela arrive là. C'est ça. Quand vous demandez, voyez ça se passer d'abord. Voyez ça. Mais les personnes qui ont une capacité de voir la nudité des gens. Ça, c'est satanique. C'est charnel. C'est-à-dire, quand ils ferment leurs yeux là, ils ne voient que la nudité. Ils ne voient que la souillure. Ça, c'est les choses, les vanités, les choses impures. Si déjà, avant Christ, tu imaginais pour voir les choses abominables, la même pensée là, c'est la même pensée qui est le point de départ qui te conduira à vivre la réalité des choses agréables. Jésus dit quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà. C'est ça. Imaginez ce que vous demandez que vous l'avez déjà. Acclame Jésus. Voici voilà Jésus. Jacques 1, verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois le demander avec un sans doute. Et continuez. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme qui doute ne fait pas quoi? Ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. S'il manque de foi, nous avons un peu forcément le soir. Il y a un pouvoir de l'imagination. On dit que cet homme là qui doute là, qui n'imagine même pas recevoir quelque chose du Seigneur. On peut avoir quel est là, parce que lui doute. Mais la il a pas bien imaginé venir du Seigneur. Donc pour recevoir du Seigneur, c'est la foi qu'il faut manifester. C'est cette foi qui manifeste la démonstration de ton dans l'invisible, dans ton esprit. Tu vois ça, tu imagines ça. Celui qui doute ne peut même pas imaginer. Donc ça montre qu'il y a l'imagination qui est liée à la foi surnaturelle. Et pour cela, Hébreux 11 dit la foi, une démonstration des choses qu'on espère, une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on espère. Si on chante la démonstration, mais une image. C'est une démonstration, c'est image. Ici, c'est image. Imagination. Ce que tu espères, démontre ça dans ton image. Que l'image vienne dans ta pensée. Et là-bas, il me donne la passe sous. Laisse ton esprit se
naturel déjà formaté à ça. On va sous ton naturel générer sous la chose. Et l'esprit va donner ta vie, ton corps, ton âme, aller trouver la chose. Gloire à Jésus. Donc nous disons que dans le monde surnaturel, pour agir dans le spirituel, pour influencer le physique, sur le physique, nous avons besoin de deux éléments majeurs. L'imagination qui est le déplacement, qui est le départ d'un point à un autre dans le monde spirituel. Ce que tu imagines, c'est ce qui arrive. Si tu te déplaces dans ton imagination quelque part, dans la réalité, c'est ce qui s'accomplit. Gloire à Jésus. Deuxième pensée. Déjà, tu as mis en nous la pensée de l'éternité. Tout homme a reçu la pensée de l'éternité. Mais ce qui nous différencie de tout homme, nous avons Christ. Nous avons en plus la pensée de l'éternité. La pensée de Christ. En plus de l'esprit éternel, nous avons Christ en nous. Alors, la pensée est la voie par laquelle nous amenons l'invisible au visible. C'est la foi. La pensée, c'est où? C'est l'invisible. C'est dans notre pensée, notre esprit, notre spirituel. L'imagination, c'est le chemin ou bien la destination, le déplacement. Mais la pensée, c'est une foi. Dans le monde spirituel, nos pensées sont une foi par laquelle nous parlons. Nos pensées sont des moyens de communication dans le monde spirituel. Si beaucoup parlent trop dans le monde spirituel, mais beaucoup invitent les démons dans la vie spirituelle. J'ai un démon. Je suis troublé. J'ai peur. Je suis démoniaque. Je suis sorcier. Je suis. Et ça, c'est pas mumu. Il dit des millions de paroles impures. Il dit des millions de paroles souillées sur sa vie. Et c'est ça. Cette force naturelle se transforme en un accomplissement négatif dans sa vie. Parce que la voix qui invite le surnaturel à agir est la pensée. La pensée. Est-ce que je peux connaître ta pensée? C'est Dieu qui sont les cœurs. Qui sont les pensées? Ou bien? À moins que Dieu me révèle ta pensée. Sinon, c'est Dieu qui sont les cœurs. Si à ta pensée, tu es incapable. Tu es en train de t'inviter à la capacité à rien de ta vie. À partir d'aujourd'hui, par la force naturelle, dis, je ne suis pas souillé. Je ne suis pas souillé. T'as ta pensée là. Tu dis sainteté à l'éternel. Ta pensée à partir d'aujourd'hui, sainteté. Je vis la sainteté. Je vis le surnaturel dans mon esprit. Je ne suis pas esclave du péché. Parce que c'est ta pensée. Quand le péché vient là, tu dis je suis saint. Tu renvoies le péché. Est-ce que c'est peut pécher? Lorsque la pensée de ma situation commence à venir, non, je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas souillé. Ainsi ne vit pas le péché. Je ne peux pas. Quand tu commences à ta pensée, en même temps, la masturbation fuit. Parce que le péché ne va collaborer avec la sainteté. Déjà, tu as préparé ton esprit à la sainteté. En même temps que le péché vient, le péché voit la sainteté. Mais si le péché vient, tu dis, je suis bon pécheur. Sainte Marie, Mère de Dieu, je suis un bon pécheur.
Je suis un bon pécheur, bon pécheur, pour que le pardon de nos offenses, sans bon pécheur, tu vas toujours vivre. Vous ne comprenez pas. C'est ça les catholiques disent. Et ils ont fait ce même péché. Ils ont fait le père. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Pécheurs encore. Nous sommes des pécheurs. Pécheurs. Un pécheur fait quoi? Il pêche, non? Ça le pouvoir du péché a triomphé sur nous. Nous, le pouvoir du péché n'a pas triomphé sur nous. C'est pourquoi nous avons, nous sommes répandus. C'est pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais dans la pensée, dans ton esprit, dans le monde spirituel, ce que tu entends à ton esprit, c'est ce que tu es. Si tu entends le mal à ton esprit, tu vivras le mal tous les jours de ta vie. Tant que tu entendras le bien, tant que tu surmonteras le mal, tu as le bien. Déjà, dans ton esprit, à le disant, un saint ne pêche pas. Jésus m'a déclaré saint. J'ai triomphé du péché par la croix. Un saint n'a pas vu le péché. Un saint ne peut pas être gouverné par le péché. En même temps, la sainteté de Dieu s'installe dans ta vie. Et le péché voit la sainteté de Dieu. Donc, dans le monde spirituel, nos pensées sont des voies par lesquelles nous communiquons avec des esprits. Ou soit nous communiquons avec l'esprit de Dieu ou des démons. Si tu parles mal dans ton esprit, tu évites les démons. Si tu parles du bien, les choses agréables de ton esprit, tu invites le Saint-Esprit, tu invites le Seigneur, mais tu parles avec Dieu. Alors, lisez moi Psaume 17, 3. Psaume 17, 3, je vais au nom de Jésus. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu le prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Ce qui sort de ta bouche là. Oh, yeah, c'est ta pensée. Ce qui sort de ta bouche est négatif. Mais il m'a dit que c'est un homme. Désormais là, ne sors plus de mauvaises paroles. Déclare les bonnes paroles à ton esprit. Parce que ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce que tu es dans ton cœur. Et lui, il a porté une maille à mon ojibwe. Donc, imagine par exemple, je me trouve devant un malade. Alors, mais pourquoi il est tourné? Parce qu'il n'est pas malade. Mais il est guéri, il est en bonne santé. Elle est la même. Je me trouve devant un malade peut-être. Mais la télé tourne encore. Peut-être qu'il est paralysé. Mais et je commence à prier. Je fais quoi? Alors, par la foi surnaturelle, je dois y aller deux moyens. Il y a combien de moyens? La pensée qui est la foi par laquelle je parle. L'imagination qui est le moyen par lequel je me déplace, laquelle je vois la chose qui doit s'accomplir dans mon esprit. Ou bien, alors je ferme les yeux, je me concentre à l'esprit. Pas la foi, pas le Saint-Esprit. Je suis en train de prier pour qu'il marche, non. Pendant que je prie pour lui, je le vois dans mon esprit de marcher. Quand je le vois en train de marcher, la foi que je manifeste fait une énergie positive. Qui va entrer en lui. L'homme spirituel commence à chaler. Je le vois dans ma pensée. Par la foi, je suis en train de le voir se lever. Il se lève. Et dans ma pensée, dans mon cœur, je sais qu'il est guéri. Et ce que je dis dans mon cœur, je le dis ouvertement. Maintenant, tu es guéri. Lève-toi avec moi. Parce que j'ai une pensée dans mon esprit. Je n'ai plus marché. Et j'ai dit dans mon cœur, lui là, il est guéri. Ce que je déclare ici, je le manifeste et je te lève toi. En même temps, si j'ai la foi réellement, automatiquement la personne va se lever. C'est ça les deux voies, l'imagination et la pensée. L'imagination est le moyen par lequel nous déplaçons les choses, par laquelle nous voyons les choses qui vont s'accomplir. La pensée n'est pas la voie par laquelle nous déclarons les choses que nous voulons voir s'accomplir. L'imagination, nous voyons ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on puisse. C'est la foi surnaturelle.
Acclame Jésus. Alléluia. Donc la pensée est un outil de communication dans le monde spirituel. L'imagination est un outil de démonstration dans le monde spirituel. La pensée est un moyen de communication dans le monde spirituel. L'imagination, c'est un moyen de démonstration. Dans le monde spirituel. Et c'est toi-même qui dois parler. C'est toi-même qui dois voir la chose arriver. C'est ça la démonstration. Ouais. Quand tu fais pour ça, peut-être que c'est pas. Je sais ce qui guérit, c'est pas toi. Bon, tu peux faire, bon, ça ne marche pas. Ne désespère pas. Bon, ça ne fait pas, c'est pas le Seigneur qui a fait. Le Seigneur fait parfois ça pour montrer que ce n'est pas l'homme qui guérit. Mais pas la foi. Quand tu appliques la parole, quand tu appliques la foi sur la terre, ça s'accomplit. Ça agit dans la vie de la personne. Le reste, c'est la volonté. J'ai dit que ça répond à la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit oui. Il a prié la responsabilité de Jacques. Par ça, nous on a vu plusieurs guéris. C'est ça la foi surnaturelle. Donc nous devons triompher du monde par la foi surnaturelle. Gloire à Jésus. Voilà. C'est la pensée que notre bouche physique parle. La pensée est d'origine liée au surnaturel. Et la bouche physique parle au monde physique. La pensée est d'origine liée au monde surnaturel. Et ta bouche physique parle au monde physique. Parle dans le monde physique. Non, bouche physique parle dans le monde physique. Dans le monde spirituel, c'est notre pensée qui parle. Alléluia. Amen. Donc, mettez opérer dans le surnaturel est deux points, est égal. Ou bien, opérer dans le surnaturel est égal. Pensez plus imagination. On a donné les versets, vous avez noté les versets de Jacques, tout ça. Vous mettez imagination ici. Imagination. Imagination. Qui est en train de comprendre maintenant? Mais quel est ce nom? Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On va être ici, penser, voilà, la planter. Pour qu'il y ait une profondeur. Voilà. Opérer dans le surnaturel, 2.1 est égal. Voilà. Pensez. Voilà. Pensez. Vous mettez ici au rouge. Voix. Voix. O-I-S. Voilà. Vous mettez. Plus. Imagination. En parenthèse, démonstration. Plus encore ici. Accolade. Accolade ici. Non. Attendez, laissez-moi montrer. Comment ça? Vous mettez F-O-I. Foi. Donc c'est ça la foi en réalité. Vous comprenez? Oui. Donc là où il y a foi, là, on peut mettre parole aussi pour que les gens puissent comprendre. Foi. Donc celui qui a la foi, il parle. Amen. En esprit, et ça sort par la parole. C'est ça, non? Comme Dieu a pensé et a parlé, et a créé les choses par la parole. Et il démontre
C'est ça l'imagination. C'est ça l'image, une démonstration d'image. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a une information. NB. Notons que la foi surnaturelle est différente de la foi du salut. Qui me comprend? Il y a une foi qui dit quoi, c'est Jésus, tu seras sauvé. Oui, non, ou bien? La foi qui sauve. La foi surnaturelle n'est pas la foi du salut. Qui comprend? Je peux être sauvé sans manifester la foi surnaturelle. La foi du surnaturel est différente de la foi du salut. Elle est aussi différente de la foi de la persévérance en Jésus. On a dit que cette foi, c'est la parole et la démonstration. C'est la pensée et l'imagination. C'est la foi et l'image. La foi surnaturelle. Ok. Vous avez compris? Mais c'est comment? Différent de la foi du. C'est aussi différent de la foi. La foi surnaturelle est aussi différente de la du don de foi. La foi surnaturelle est aussi différente de la foi qui est le don du Saint-Esprit. Vous me comprenez? Je vous explique. Par contre, la foi du don de l'esprit est inclus dans la foi surnaturelle. Elle croit le photojomota. La foi surnaturelle est différente de la du don de foi de l'esprit. Mais la foi du don de l'esprit est inclus dans la foi surnaturelle. Elle croit le photojomota. Tous les croyants en esprit ont la capacité de la foi naturelle. Tout le monde a ça, tous les hommes ont ça. Jésus Christ. C'est compris? Nous tous nous sommes appelés à manifester la foi surnaturelle. Ce n'est pas celui qui a le don de foi. Ou bien, voilà. Tous les croyants doivent en esprit manifester la foi surnaturelle comme une capacité divine reçue depuis éternel. Mais le don de la foi qui est don de l'esprit est aussi un don surnaturel, mais qu'on exerce en faveur des autres. Celui qui a le don de foi là, ce n'est pas pour lui-même qui le fait, c'est la grâce. Celui qui manifeste la foi surnaturelle, il le manifeste pour lui-même et pour les autres. Donc celui qui a la foi surnaturelle a la capacité d'exercer la foi surnaturelle pour lui-même et aussi pour les autres. Donc lui, il a en même temps la foi surnaturelle et en même temps la capacité de le manifester comme un don de foi. Pour les autres. Celui qui a le don de l'esprit, tu peux avoir plutôt le don de l'esprit sans exercer la force naturelle dans sa totalité. C'est bon, le don de l'esprit, c'est pour les autres. Comme bon, ce n'est pas pour moi. Ton don de l'esprit là, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais la foi surnaturelle, c'est à moi, c'est inné. C'est à moi. Naturellement, quand je crois, ça se manifeste en moi. Et c'est obligatoire. Ne dis plus, c'est eux qui ont le don de foi, c'est eux qui ont le don. Tous nous avons la foi surnaturelle. Si tu as cette foi surnaturelle, tu peux agir. Cette foi peut se manifester à ta faveur. Et aussi en faveur d'autres personnes. Si tu as simplement le don de la foi, tu peux exercer le don de la foi pour d'autres personnes. Mais ça, tu peux pas avoir les capacités pour le faire pour toi-même.
Gloire à Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous sommes déjà à la fin. Quand nous lisons très bien le livre de 1 Corinthiens 13, nous pouvons manifester la face naturelle. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Mais Dieu nous dit, la foi a parlé des mystères, la scène des mystères. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes de rien. Si tu peux avoir cette foi, si tu n'as pas l'amour, tu iras en enfer. Cette foi surnaturelle. Si tu peux avoir cette foi surnaturelle, si tu es dans l'iniquité, tu iras en enfer. Tout ça ne veut pas dire que tu as cette foi surnaturelle, tu es déjà au ciel. C'est pourquoi tu dois fuir la sainteté pour que cette foi se manifeste toujours. Pour que après avoir fait le miracle, donc la foi surnaturelle est aussi la démonstration de puissance, de miracle. De grands prodiges. La force naturelle est la démonstration de puissance. La force naturelle est la démonstration de miracles. Des grands prodiges qui dépassent l'attendement de l'homme. Tout homme peut exercer par la capacité que lui vient de Dieu. Mais tous ceux qui ont Jésus, c'est eux qui seront sauvés. Eux vont, les hommes vont le manifester. S'il n'est pas Jésus, ils ne sont pas sauvés. Là, ça devient inefficace. Ça devient souillure. C'est pourquoi nous qui avons Jésus là, nous devons le manifester. Alléluia. Donc, cette foi surnaturelle produit aussi le miracle. Produit aussi la puissance de Dieu, les prodiges. Gloire à Jésus. Donc, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Et nous allons prier. Déjà, l'enseignement vous a préparé à la prière. Donc, les enseignements qu'on donne, c'est pour que vous ayez une vie de prière. Ce n'est pas pour que nous, ce soit toujours nous qui vous donnons les requêtes, toujours, toujours, toujours. Non. Alléluia. Et 1 roi 17, verset 1. Les exemples des gens de la Bible qui ont manifesté la force surnaturelle. Après ça, nous allons prier un peu. Et vous, personnellement, vous pouvez prier à la nuit, dans la nuit. Et demain matin, 6h, on est là pour prier sur la foi surnaturelle. Midi, nous allons encore prier sur la foi surnaturelle. 1 roi 17, 1. 1 roi 17, le Seigneur, je vous remercie Jésus. Élie, le Tithubite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années, ni rosée, ni poux, sinon à ma parole. Vous voyez, Élie, c'est un homme de Dieu. Elle déclare au nom de l'Éternel que cette année, il n'y aura ni rosée, ni poux. Par la parole de Dieu. Et cela s'est accompli. C'est un exemple de la foi surnaturelle. 2 rois 1, 12. Soyez rapides. 2 rois 1, 12. 2 rois 1, le verset 12. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Que le feu descende du ciel. Et fait quoi? Et consume. Et te consume. Et te consume. Toi et tes 50 ans. C'est ça la force naturelle. Être possible, être plutôt capable d'évoquer le feu. Et le feu arrive. Est capable d'évoquer, de demander à la terre de se fondre en tout. Est capable de parler à la terre d'obéir. Même si vous ne voyez pas ça physiquement, sachez que spirituellement, la force naturelle invite ce feu à descendre spirituellement. Ok. Ça, c'est le cas de Élie encore. Jacques 5, 17, on dit que Élie, non, je vais noter ça, moi, mais je vais répéter. Jacques 5, 17 dit que Élie est un homme de même nature que nous. Si Élie a invoqué le feu, le feu est descendu. Si Élie a arrêté la pluie s'est arrêtée, nous sommes capables de le faire. Parce que Élie est un homme de même nature que nous. Dans Marc 4, verset 35 à 41, moi je vais expliquer.
Jésus disait, passons à l'autre port. Ils viennent de quitter, ils viennent de c'est-à-dire, ils veulent aller dans une autre terre. Et c'est après cet événement qu'ils ont découvert le fou de Gadara. Avant la rencontre du fou de Gadara, il y a eu un grand vent. Ils passaient sur l'eau. C'était comme petit. Une barque dans laquelle ils étaient sur l'eau. Tout dans l'histoire. Et pendant que les apôtres étaient, Jésus se reposait. Et le vent menaçait. Le vent tremblait. Il avait peur, Seigneur. Nous voulons périr. Et toi, tu es ton grand. Tu nous as laissé, tu veux nous laisser périr. Et le Seigneur dit, homme, peu de foi. Vous êtes peu de foi. Et Jésus fait ça. Il fait quoi? Jésus menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. Jésus est un Dieu qui ne change pas. Il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. Jésus est un Dieu qui ne change pas. Il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. Qui est capable de parler à la mer? Qui est capable de parler au vent? Vent, arrête-toi. Moïse, l'histoire de Moïse. Nombre 16. Je vois mes jeux. C'est un moment de rébellion de Tata Corée à Biram. Nombre, notez, nombre 16, verset 17 à 33. Tata Corée à Biram se sont levés, se sont rébellés contre l'Éternel. Oh, tu te demandes ma voiture. Et Dieu a voulu par Moïse exercer le jugement sur eux. Moïse a parlé à la terre, ou bien? Moïse a parlé à la terre, non? Terre, fonds-toi en deux et engloutis-les. La terre s'est divisée en deux. Elle les a engloutis. Donc, pas ta prière, tu es capable de diviser la terre en deux. Pour que la terre avale tes ennemis. Jérémie aussi a prophétisé. Il y a une parole où il s'agissait de parler à la terre pour que la terre avale les hommes forts. Donc nous sommes capables de parler à la terre pour que la terre se forme en deux. Nous sommes aussi capables de parler à la terre pour que la terre obéisse à notre autorité. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu parles à la terre. Toi, terre, lorsque je marcherai sur toi, je renverse tout malédiction de la terre qui a été prononcée sur moi. Terre, lorsque je marche sur toi, je manifeste, je vis le surnaturel. C'est ça. Nous devons parler à tout. C'est la foi surnaturelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Lucas 8, verset 43 à 48, l'histoire de la femme qui perdait le sang. Ou bien, Jésus allait, il était en foule. La femme perdait le sang depuis 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Elle sait que Jésus passait. Elle n'avait pas de possibilité. C'est pour lui que la force financière se manifeste là où l'humain devient incapable. L'humain devient faible. Le naturel devient incapable de Jésus. Là, l'humain peut appeler au surnaturel. Alors, la femme qui perd le sang a manifesté une démonstration de foi. Elle fait quoi? Elle dit, si je pouvais toucher son le bord de son vêtement. Pendant toute la foulée, Jésus parlait, il passait. Jésus dit, mais qui a touché le bord de mon vêtement? Et là, vu que c'était la femme. En même temps, le sang qui coulait a cessé. Elle fut pour. Bon, la force naturelle dit, Seigneur, si je peux toucher le bord de ton vêtement. Donc, les prières que j'ai fait là, c'est la foi uniquement. Dans ta vie, dans tes finances, dans ta vie de sécurité. La foi dans les combats spirituels que tu mènes. La foi dans tout. Si tu es malade, tu touches à Jésus. Pas la foi surnaturelle. Tu imagines ta guérison. Tu parles à ton âme.
mon âme, tu reçois la guérison. Mon esprit, tu reçois la guérison. C'est cette prière que nous allons faire cette nuit. Demain matin, 6h, à Jean. Des prières de foi. On va croire. Des prières, on va déplacer les montagnes. Demain, 6h, 12h, nous allons renverser les montagnes dans la foi surnaturelle. La foi surnaturelle aussi implique des actes de foi. On les appelle les actes de foi ou les actes prophétiques. La foi, c'est une démonstration, n'est-ce pas? Jésus, pour guérir certaines personnes, il mélange le sable avec la salive. La boue avec la salive. Pour guérir les yeux, il peut poser la main directement et le faire. Mais il mélange la salive avec le sable. Il prend ça et il dit ta foi t'a guéri. Et en même temps, la personne est guérie. C'est ça qu'on appelle les actes prophétiques. À un moment, les mouchoirs des apôtres, quand les apôtres l'utilisaient, guérissaient les malades, oui ou non? C'est ça aussi un acte prophétique. Comment un mouchoir peut agir pour que les gens soient guéris? Ce n'est pas le mouchoir, mais c'est l'onction. C'est la personne, c'est ça le surnaturel. Quand Dieu se met quelqu'un est malade, parfois, à ce moment, il faut faire prendre de l'huile dans son pour imposer la main à la personne, pour que la personne soit guérie. Ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la prière de foi. C'est ça la foi surnaturelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours utiliser l'huile. Non. La foi peut pousser à développer. Quand la foi c'est un démon, ça sert. La foi peut pousser à prendre de l'eau. Au lieu de prier, reçois l'eau de guérison. L'esprit de Dieu peut te pousser à aller prendre de l'eau, à prier sur l'eau. Avec cette eau, tu deviens le sang. Si dès que je te boirai, tu reçois ma guérison. Et quand tu prends, là, tu reçois ta guérison automatiquement. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la chair. Donc, il faut se lever toujours. Par le nom, j'ai dit, l'autre a fait ça marcher là. Quand il va faire ça toujours. Quand le son va le dire, je parle de l'homme. C'est la parole de Dieu. C'est pas ça. C'est pour qu'il parle l'esprit. Et quand l'esprit vous dit de faire, le faire réellement, c'est un miracle extraordinaire. C'est ça qu'on appelle les actes prophétiques. On ne peut pas ça pour faire des doctrines. Parce que ça a marché une fois, tous les jours on fait la même chose. Mais l'esprit, je peux prendre un objet. Donc, l'esprit, c'est la foi qui fait la chose. Ce n'est pas comme les autres églises où on vend des calendriers, on vend des sucres. C'est pas ça que je dis. Je parle des actes de foi. Pour démonstration. Jésus pouvait guérir l'aveugle. Mais c'est la démonstration. Il y a aussi la piscine de Bethesda. Où l'eau s'agitait. L'eau s'agitait. Et que c'est les anges qui venaient chez toi agiter l'eau. Et les gens, lorsque l'un vient agiter l'eau, doit descendre dans l'eau pour obtenir guérison. Ça, ceci, c'est un acte prophétique. Une démonstration de foi. L'histoire de Naaman. De Naaman aussi. Mais le peuple aussi. La purification par l'eau, c'est une des actes prophétiques. Cela ne doit pas être prise comme une doctrine. Mais le Saint-Esprit le conduit par la foi à démontrer ça. Et par là, tu seras restauré. Donc, nous sommes en train de voir, nous sommes déjà à la fin, nous allons le lever et prier. Bartimée aussi. Bartimée a perdu foi. Oh Seigneur, Jésus, je veux dire. Et Jésus, qui veut voir Jésus? Bartimée, lui, veut voir Jésus. Et quand il a vu Jésus, ses yeux ont été ouverts. C'est ça la foi surnaturelle. C'est les exemples que je vous ai donnés. Acclame Jésus.